Salut Seb. Bonjour à toutes, Y a bonjour du à son? tous. Est-ce que vous nous entendez très bien? Ah, ça marche plus. Plus personne. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? On C'est bon, entend? t'entends? Allez, t'es un peu bleu, Olivier. Ouais, c'est la nouvelle caméra. Attends, je vais paramétrer ça un petit peu. D'accord. Bon, bonjour à tous sur le chat. Voilà, est-ce que vous Salut à m'entendez tous. bien? Parce Salut que... Seb, salut Olivia. Comment? Salut à tous. Salut à tous, ouais, excusez-nous, c'est un peu juste. Il y a Je des petits suis problèmes connecté techniques. juste. Non, non, c'est pas ça, je suis juste connecté juste à la fin. Donc, voilà, alors, du coup, on va remettre un petit peu la bannière qui est là. Alors, donc, on va faire d'abord un débriefing à la fois sur le dernier match donc, qui a eu lieu vendredi soir, où l'Olympique de Marseille s'est imposé pour le coup, on va faire aussi la coupe, donc, puisque pour la 5e place, qui devrait être significative pour la Ligue Europa, si Montpellier, pas Montpellier, si Monaco ou Paris gagnent la Coupe de France, à ce moment-là, ça sera une place en Ligue Europa, donc l'OM, soit Lens, soit Rennes. Voilà. On en parlera d'abord. On va d'abord parler de ce match à Reims. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, les gars, de ce match? Autant les 30 premières minutes, on va dire, ont retombé dans nos travers de chaque match depuis des mois et des mois. On n'était pas trop d'accord, Fabien, peut-être sur le truc. Je sais pas si depuis tu as été d'accord avec mon analyse, ou pour moi, c'est les joueurs et c'est pas l'entraîneur. Et après, ça allait mieux. Voilà, deux phases dans ce match. 30 minutes moyenne as. Bon, même, on n'était pas hyper dominé non plus. Mais bon, on a pris un but. Et du moment qu'on a pris le but, on a réagi, quoi. Ouais. Non, moi j'étais d'accord. Hein. Je pense que si ça jouait pas, c'est que c'était surtout de la faute des joueurs qui n'étaient pas assez impliqués. Mais il faut le temps aussi, quoi. Donc c'est un peu les deux. Enfin, c'est un peu les deux. C'est qu'il faut du temps, tout simplement. Donc voilà. Oui, on met à chaque fois une demi-heure à rentrer dans le match. C'est en moyenne sur les 5 derniers matchs, on a dû faire deux frappes non cadrées
à partir jusqu'à la première demi-heure, c'est pas suffisant, c'est beaucoup trop long. Alors il y a du mieux, c'est de mieux en mieux. La deuxième mi-temps était pas mal et on s'est bien repris après le but. Je crois que dans ce match, il y avait encore quelques petits problèmes au milieu. Et quand Rongier est rentré, je trouvais qu'on a retrouvé l'équilibre. Pour moi, c'est un peu le tournant du match parce que Camara, il n'y était pas. Et puis quand Rongier est rentré, ça s'est mis à tourner, quoi. Olivier ? Ouais, je suis d'accord avec Fabien. C'est qu'au début, c'était, je trouve que le jeu est fade. C'était vraiment pas folichon. Et puis c'est triste qu'il y ait eu la blessure de Camara, mais du moment que Rongier est rentré, ben ça a bien tourné. Faut dire ce qu'il est, il est bien revenu. Hein. Ouais. Il est bien revenu. Mieux, d'ailleurs. L'équipe a très très bien tourné derrière. Hein. Ouais. Ouais, il y avait. Alors moi, en fait, c'est. Ouais. Non, je disais que c'était une question d'équilibre en fait. Je trouvais que ça manquait d'équilibre avec Camara au milieu. En plus, bon, il était pas dedans hein, ce soir-là. Ouais, avant sa blessure, ça allait pas. Mais même les matchs d'avant, je trouvais que Gueye et Camara au milieu de terrain, souvent, ça se marche un peu dessus. Je trouve qu'ils ne sont pas super complémentaires. Et peut-être que Rongier, finalement, avec Gueye, c'est peut-être un peu plus complémentaire. Et peut-être que ça a joué. Il n'y a pas que ça. Hein. Je pense aussi qu'ils se sont réveillés après le but. Donc, y a aussi le fait qu'on ait pris un but. Voilà. J'allais te dire ça, effectivement. J'allais dire que j'étais d'accord avec vous, mais il y avait aussi ça. C'est qu'en fait, c'est la première fois où en fait on réagit plutôt qu'on agit, quoi. Mais ça, c'est pas que depuis que Sampaoli est là. C'est le cas, je dirais, depuis Garcia, quoi. En fait, où on a eu énormément de matchs où la première mi-temps était vraiment fadasse. On était vraiment le niveau Ligue 1, quoi, où c'est tout tranquille et on attend de voir le premier but qui est souvent décisif en plus en Ligue 1. Donc on est depuis trop trop longtemps comme ça. C'est vraiment les matchs où on a fait un match entier, quoi. Donc il y avait ça. Et c'est vrai qu'on prend le but et là on réagit, on commence à jouer. C'est impressionnant. Des fois on s'enfonce. C'est pas, des fois on réagit pas. Et là effectivement on commence à jouer. Et parce que quand même deux surcoups avant la mi-temps, quoi. Donc on revoit du jeu, on voit le trio que j'ai mis d'ailleurs en bannière de cette vidéo, vous la verrez, qui comme à chaque match, Milic, Rola et Payet, c'est à peu près qui font le jeu dans cette équipe. Et c'est vrai qu'après, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que Rongier a vraiment fait une entrée intéressante. Et c'est vrai qu'on se demande, après c'était un peu le cas déjà, juste je vous laisse parler après, mais que effectivement Gueye devait venir pour remplacer Camara ou être son suppléant, quoi. C'est vrai que les deux ensemble, même s'ils ont fait de très bons ensemble, hein, c'est pas le truc, mais il manque quand même quelque chose, il manque un créatif, enfin... Alors, Gueye, ça peut être en box-to-box, Camara quelquefois, c'est quand même deux profils assez quand même défensifs, et donc il faut quand même un joueur un peu plus offensif qui... Alors, Rongier, des fois, il ne le fait pas, mais c'est vrai qu'il l'a bien fait, quoi. C'était vraiment intéressant, son joueur avant, quoi. Ouais, il est plus complet, hein, Rongier, il peut vraiment, même si ce n'est pas un meneur de jeu du tout, hein, mais il avait joué un peu comme ça à Nantes, et il est plus un profil de relayeur, en fait. Ouais. Il est technique, hein, mais enfin, il n'a pas une bonne frappe. Il faut qu'il progresse là-dessus, mais il peut se projeter. Et je trouve qu'il a une bonne qualité de passe. Bah, après, le plus ancien, ce qui ne fait pas dire. Vas-y, juste, ça me fait pas ce qui peut être des champs en tant que joueur ou qui marque très peu de buts, quoi. c'est la même formation. Enfin, il vient de Nantes, ouais. Ce qu'il dit Iker Sentan, c'est pas faux qu'il fallait pas sous-estimer Reims, effectivement, parce que l'OM, comme tu disais, Seb, tout à l'heure, c'est surtout une équipe qui réagit, et tant qu'ils se font pas rentrer dedans, ben, les mecs, le match ne démarre pas. Donc en fait, il faudrait que l'OM prenne un but à la première ou deuxième minute pour que tu aies 90 minutes derrière où ça joue. Contre Montpellier, on en prend une, on en prend à la première minute, et après on a et du après, mal. Et après, ça démarre. Ouais, mais ça finit mal. Ouais, bon, ça finit mal, mais ça démarre derrière, quoi. Ouais. Ouais, il pressait haut, et ouais, c'est vrai. On a eu du mal, quand même. On a pris la vague. Hein. Après, le carton rouge, ça leur a fait du mal. Non, mais en fait, le problème, c'est que... On
combatif et beaucoup plus. Mais ça, c'est après. Mais lui, qui c'est pas le souci. Quoi. Comme des ailes, on dirait qu'ils sont encore en train. Et ça peut porter tort forcément. Alors bien, quand c'est Reims, on peut retourner le match, mais si tu fais ça contre Lille, Lyon ou Paris ou Monaco, ben là forcément tu as un peu de mal. Cette année on le rencontrera plus, donc il n'y aura pas de souci. Mais... C'est sûr. Non, ça ronronne, mais c'est on voit Sampaoli qui j'ai l'impression qu'il va nous faire une attaque, quoi, tellement il s'énerve sur le banc. Et je peux le comprendre, hein, parce que ça. Moi aussi, je Il a mis un coup de boule contre le mien, je pense que vous l'avez vu. Ouais, c'est un nerveux. C'est le regard noir qu'il a, quoi. C'est... Ah ouais, non, mais il te le fait comprendre de suite. Je pense qu'en tant que joueur, si ton coach, lui, il n'est pas content, tu dois le ressentir sans forcément qu'il te parle. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression que ça les dérange. Hein. En première mi-temps, à la mi-temps, il les secoue, mais avant, c'est vrai qu'ils sont en réaction, quoi. Et c'est dommage qu'on ne réagisse pas plus vite. Mmh. Je veux dire, t'as Payet, par exemple, quand il a été bon, il a été très bon. Je trouvais qu'il avait fait un bon match, mais ça fait 2-3-4 matchs qu'il est bon. Après, il n'a pas tout réussi. Je pense qu'il a encore une marge de progression, mais pour moi, c'est le meilleur du... Enfin, on n'en est pas là, mais si on peut dire... Si, tu en as parlé avec Milik et Lirola, mais comme d'habitude, en fait. Mais sur ce match, je trouve qu'il est vraiment dessus. Il a failli mettre 2 passes décisives. Mais voilà, mais il démarre au bout d'une demi-heure. Parce qu'avant, il... Voilà, quoi. Lirola, ouais. Pareil, d'ailleurs. Lirola, il rate tout ce qu'il tente... Il réussit, il est bon. C'était peut-être le seul qui était dedans, mais c'est vrai que Payet, moi j'étais, je me disais, mais quand est-ce qu'il va réussir une passe, quoi. C'est vrai que les 30 premières minutes, il faisait que ses frappes, ses passes qui étaient des fois des passes à 3 mètres. Hein. Techniquement, on sait que c'est un super technicien. Ben, il n'y arrivait pas. Et c'est vrai que quand il commence souvent comme ça un match, on se dit, c'est pas son jour. Et donc, on pouvait être inquiet. Et puis tout d'un coup, on a retrouvé. Le magicien Payet, parce que pour le coup, bon, des fois je le taille parce que forcément c'est un joueur que j'adore puisque je suis fan des numéros des techniciens et il nous a fait rêver de nombreux matchs avec sa technique. Donc on sait qu'il peut aller à un haut niveau et donc quand on le voit comme ça, on comprend pas. Après aussi on comprend parce qu'on sait qu'il manque de motivation constamment dans un match et dans une saison. Donc c'est un peu ça. Ouais. Après, bon, en ce moment, il y a pas que. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que Payet, là, qui rate tout. Camara, il rate tout. Lirola, il rate tout. Début de match, il n'y en a pas un qui a réussi quelque chose, quoi. Donc, c'est ça qui est dur. Effectivement, Payet, c'est un problème récurrent, mais bon, on pourra en parler pendant très longtemps. Moi, j'adore ce joueur aussi. Je trouve qu'il suffit juste, tu vois, qu'il soit un peu motivé, et c'est vrai que direct, il est au-dessus. Quoi. Tu vois, question motivation, regarde, mi-saison de l'année prochaine, il y a Coupe du Monde, donc à mon avis, Payet... Je ne vais pas être étonné de le voir faire une bonne première partie de saison. Je ne dis pas une saison entière, attention. C'est pas l'an prochain, en fait, c'est la saison d'après. C'est novembre 2022. C'est vrai, ouais. Je pensais que ça tombait là. Il y a l'euro là. Novembre-décembre 2022, donc il y aura encore une saison. Honnêtement, c'est vrai qu'avant, c'est un Coupe du Monde. Quoi. Avant, je pense qu'il était motivé par les compétitions internationales, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, je pense que sa motivation, il va la trouver ailleurs, même si c'est pas impossible qu'il soit sélectionné, hein, parce que si vraiment il marche sur l'eau, s'il y a beaucoup de blessés, je sais pas, moi j'y crois pas, mais bon. Ouais, c'est un petit timide de coronavirus qui sévit toute l'équipe de France. Non, mais il faut arrêter. Il y a trop de joueurs devant lui, donc ça, il faut pas y compter. Mais par contre. Il est trop vieux. Ouais, non, et puis, au niveau des autres, il faut le reconnaître. Quand tu as des Coman, des Mbappé, les cités, mais. Non, mais même au milieu, tu fais déjà, il prend très peu de milieu. C'est vrai. Mais attends, sur la dernière Coupe du Monde, il devait y aller à la place de Thauvin, tu vois, et il méritait largement sa place, quoi. Oui. Il avait le profil d'un joueur qui, justement, comme Fekir, enfin, il avait un peu le profil de Fekir, et pour moi, il était bien meilleur que Fekir. C'était il y a 3 ans. Hein. Non, c'est pas. Il y a d'autres joueurs qui s'imposaient. Ouais. Non, c'est sûr. Voilà. Pour moi, c'est pas sa motivation, c'est ce que je voulais dire. Non, mais je suis d'accord avec les consultants qui le disaient. Qu'on le remarque souvent, c'est bon, comme du coup, il a sa motivation qui fluctue, mais aussi, des fois, il se remotive avec l'arrivée d'un nouveau coach. Oui, c'est sûr. Des nouvelles méthodes avec AVB, ça passait plus. AVB, parce qu'il était pas sérieux à l'entraînement et Payet, il avait aussi lâché. Donc, je pense que ça pouvait plus passer. Donc, il y a un nouveau coach qui arrive avec, il les fait bosser, il les motive. On voit qu'il y a quand même une belle ambiance,
dans le vestiaire. Longoria aussi, il fait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais il est revenu à lui à la fin. On sent vraiment qu'il y a plus une osmose et qu'il y a vraiment une envie de travailler ensemble. Donc ça y fait. Donc du coup, Payet, bah, il se remotive un petit peu comme les autres. Quoi. Ouais, je pense d'ailleurs que autant je suis sceptique sur l'avenir de Longoria au poste de président, autant je pense que Longoria à la place de Jacques Henriero, c'est forcément quelque chose de positif. Là, j'ai vu qu'il avait, qu'apparemment, on lui avait conseillé, je crois que c'est Titi que tu avais reçu l'autre fois, hein, qui lui avait dit de faire quelque chose pour Bernard Tapie, là, bientôt. Tu vois, c'est des choses, rencontrer les supporters, c'est des choses qu'aurait pas fait Jacques Henriero, par exemple, aller voir les joueurs dans les vestiaires. Tu le vois motivé, prendre vraiment de l'action au niveau du projet sportif, etc. Et ça, je pense que c'est important aussi. Ça, c'est vrai, c'est une marque concurrente de l'ENF. En faisant ça, Longoria, il marque beaucoup de points en tant que président. Le fait d'aller au contact de ses joueurs, alors que Jacques Henriero, je crois qu'on ne l'a jamais vu aller voir ses joueurs dans les vestiaires, ne serait-ce que pour mettre un coup de pression ou quoi, on ne l'a pas vu souvent. Hein. C'était pas du tout son caractère. Mais c'est vrai que Longoria, on le voit en tant que directeur sportif. Parler du reportage avec Cinéma Pangol, où on le voit qui est très proche de Cinéma Pangol, on le voit très proche des joueurs, on le voit souvent avec Amavi dans les tribunes, quand il y a un but. On voit qu'il est proche des joueurs, donc du coup, il a pas changé d'attitude, même en passant président. Enfin, on va pas faire ce débat, sinon on s'éloigne un petit peu. Mais donc après les 30 minutes, et du coup, on a commencé à jouer, et jusqu'au bout, je dirais, ça fait un moment, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça fait un moment qu'on n'avait pas maîtrisé le match, à partir de la 30e minute, je parle. Après, je trouvais qu'on a bien maîtrisé, franchement, on n'a pas eu peur, et après, on a réussi à faire le break, à 3-1, et là, on n'a pas tremblé, on aurait même dû marquer même un peu plus. Donc, après, il y a eu le carton rouge aussi, mais malgré tout, on avait la même mise sur le match, la maîtrise. Oui, on a été beaucoup plus, dominateur que sur les matchs précédents. On n'a pas stressé à la fin. On était tranquille. Bon, certes, on avait 2 buts d'avance et c'était un peu plus confortable. Disons que le scénario du match nous a un peu aidé, mais on était 11 contre 10. Cela dit, j'ai trouvé que l'arbitrage avait été très mauvais. Je comprends pas comment on peut ne pas expulser je crois que c'est Faes. Je sais pas comment ça se prononce. Il a fait un attentat. C'est incroyable ça. Et donc, à partir de là, c'est peut-être ça aussi qui les a boostés. On sait que les joueurs, quand il y a une injustice comme ça, ça les remet un peu. Mais dans l'injustice, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, en deuxième mi-temps, on était tranquille, quoi. Et puis, Reims, ça n'a pas été un. Disons qu'ils n'avaient pas les armes non plus pour nous embêter une fois qu'ils étaient menés au score, en fait. C'est une équipe qui est plus une équipe de contre. Ouais, mais après, comme je te dis, tu vois, la réaction, j'ai le résumé du match sous les yeux, c'est qu'une fois que Camara est sorti à la 40e, le but derrière, il vient à la 41e, tu vois. Donc, voilà, direct. C'est bête à dire, mais dès la rentrée de Rongier, c'est que là que le match a changé. Enfin, ce n'est que mon avis, hein, je dis. Hein. Ça me fait chier de le raconter, mais c'est de là que le match a changé de sens. Ouais, je suis très content qu'il soit de retour. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au prochain match. Je pense qu'il sera titulaire. Je sais pas si Camara sera blessé. Je crois que c'est rien du tout. Hein. C'est petite lombalgie. Je crois, ouais. Il a pris un coup au genou, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas trouvé de truc à propos. Je crois que c'était le dos. Hein. Non, c'est le tournoi, je confonds avec Perrin. Pardon. Non, c'est le dos. Non, c'est le genou, c'était Perrin, mais bon, il a dit sur les réseaux qu'a priori c'était plus de peur que de mal. Ouais. Mais sur Camara, bon, si c'est le dos, je vois pas pourquoi il pourrait pas rejouer. Sur le coup, tu peux pas jouer parce que t'as trop mal. Mais après, normalement, ça arrive. Là, je voulais en venir, c'est que j'aimerais bien qu'il revienne en défense, qu'il redescende derrière, et qu'en fait Rongier prenne sa place au milieu. Ouais, alors juste on va répondre et après je reviendrai effectivement sur ça, mais il a raison, c'est vrai que j'ai entendu les commentaires sur le match qui le disaient qu'effectivement Sampaoli voulait, il n'y a même pas que sur le match, aussi j'avais vu un article aussi, où effectivement il veut que Mandanda en fait soit un libéro à la Manuel Neuer par exemple, Ter Stegen un peu moins, mais plus Manuel Neuer au Bayern, où effectivement il joue à la libéro et qu'il soit beaucoup plus haut.
parce que pour aller vers l'avant. Donc d'ailleurs, ils cherchent un numéro 1 bis. On a vu le d'ailleurs, c'est officiel, enfin officiel. En tout cas, c'est dans les tuyaux que l'OM cherche un numéro 1 bis. Donc effectivement, ouais, ça oblige aussi à aller plus vers l'avant et à récupérer le ballon plus vite. Et les défenseurs peuvent aussi monter parce que derrière, bon, Mandanda, c'est pas trop, il n'y arrive pas trop. Mais bon, en tout cas, c'est consigné. Ça, c'est vrai. Sur Rongier, effectivement, là où c'est intéressant, et Camara, ça fait quelques matchs qu'il est un peu moins bon, c'est que Rongier, il commence à rejouer un petit peu comme il était au début. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de faire des passes latérales et de récupérer le ballon, c'est qu'il sait faire certes, mais il sait aussi faire des passes vers l'avant et un petit peu se projeter, quoi. Et il avait un peu perdu avec André Villas-Boas où il restait vraiment dans un jeu stéréotypé. Et là, d'entrée, il a réussi vraiment à faire ce jeu-là, quoi. C'est vraiment très intéressant. Ouais, après, il s'est blessé en début de saison, je crois, et il a eu du mal à revenir. C'est vrai que cette année, peut-être qu'aussi Villas-Boas avait changé ses plans par rapport à ce qu'il proposait l'année dernière, ce qu'il leur demandait la saison précédente. Mais c'est vrai que la première saison, je trouvais qu'il était très bien. Il venait beaucoup récupérer, mais il venait se projeter souvent. Et il avait aussi cette qualité de passe pour relancer. Donc c'est laisser faire ça, il est fait avec Villas-Boas. Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pas régressé, mais qui ont perdu confiance parce que je pense que c'est les consignes où ça passait plus, quoi. Le discours passait plus. Et là, il a l'air bien, quoi. Donc tant mieux. Bah, je pense que Sampaoli, voilà, il doit leur laisser aussi pas mal de liberté au niveau du jeu. Hein. Tu vois que les mecs, ils sont moins. Comment dire? Ils sont moins bridés par l'entraîneur, tu les vois plus libérés sur le terrain. Alors que tu prends par exemple sous Villas-Boas, les mecs, au bout d'un moment, au début, ça allait parce que c'était nouveau. Et puis après, les mecs, ils bougeaient plus sur le terrain. Et c'est triste. Alors que laisse la liberté à un mec de pouvoir exprimer son jeu, etc. Tu vois des trucs qui peuvent être très sympas à voir. Hein. Ouais, je pense que ce changement. Ça joue beaucoup. Ouais, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, Olivier. C'est vrai. De toute façon, il laisse. C'est beaucoup plus. Enfin, il va vers pour le jeu offensif. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse beaucoup plus d'initiative pour justement créer du jeu. Et après, il y a des circuits de passe. On voit que clairement, il y a un entraînement qui est fait, des bases qui sont de nouveau peaufinées pour arriver. Alors, on le voit, comme on l'a dit, il y a plusieurs émissions et très très vite, on l'a vu en fait son plan de jeu à Sampaoli, c'est très très clair, quoi. Où c'est des pistons qui, bon, évidemment, Nagatomo, il a plus de mal parce que lui, quand il arrive après sur son pied, il sait pas centrer, il sait pas faire la passe, donc il revient en arrière. Donc ça, c'est un petit peu bloquant. Mais son principe de jeu, c'est qu'effectivement, les deux pistons font ça, quoi. Puis après, effectivement, à l'intérieur du milieu, on va aussi rechercher des intervalles pour aller se projeter. Mais c'est vraiment aller essayer de marquer plus de buts. Fabien qui va revenir, il part un petit peu. C'est vraiment aller marquer plus de buts que l'adversaire, être plus offensif, rien lâcher. D'ailleurs, tu vois, Olive, à chaque fois, moi, ce que j'appelle le Sampaoli time, où c'est qu'à chaque fois, on va chercher la victoire, quoi. On se contente pas de match nul. Il impulse ça aux joueurs, quoi. Ils ont ça dans la tête et du coup ils vont aller la chercher la victoire et à chaque fois ils arrivent à aller la chercher, quoi. Donc c'est aussi une grinta qu'il arrive à faire passer, quoi. Et ça, ça se voit sur le terrain clairement, n'est-ce pas, Fabien? Oui, j'ai entendu. J'ai juste allé mettre le ventilateur. Non, je suis d'accord. Je dirais même que c'est lui. Ah, c'est vrai. C'est chaud là. Je dirais même que c'est consigne en fait. Il faut que les joueurs arrivent vers l'avant. Il faut qu'il y ait du mouvement, etc. Donc c'est non seulement il les bride pas, mais je pense qu'il les force, il les pousse à jouer comme ça, à prendre des risques dans la passe notamment. Jouer plus. Quelque chose à... Disons que c'est sûr que ça change par rapport à Villas-Boas. C'est souvent comme ça d'ailleurs avec les entraîneurs. On va avoir un entraîneur très offensif, puis après on va changer. C'est souvent en fait qu'on a des cycles comme ça. On l'a vu avec passer de Bielsa, de Deschamps, Bielsa, Michel, etc. Villas-Boas, Sampaoli. Ça fait du bien aux gens aussi. Pour vous, après les joueurs ils aiment bien. De toute façon, n'importe quel joueur, je ne sais pas si.
tous les trois on a joué au foot, imagine. Enfin, on aime jouer un jeu offensif et pas être là, faire le mur tout le match. Tu t'amuses pas, quoi. Donc, forcément, les joueurs aussi, ils ont plus envie de donner puisque ils ont aussi ça comme consigne. Je voulais rebondir sur Hollandais de Marseille. Les rôles sont beaucoup plus clairs avec Sampaoli. Oui, c'est vrai. Par contre, il y en a un qui n'a pas encore compris tout à fait son nouveau poste, c'est Florian Thauvin. Et voilà. C'est obligé. Ouais, non, mais... c'est vrai non, que on a parlé du top. On va faire une nouvelle rubrique. On va la faire d'entrée. Allez, voilà. On fait une rubrique. On va faire un petit peu. Alors, je ne regarde pas l'émission. Je n'ai jamais remarqué, regardé. Mais bon, malgré tout, je connais le principe, le truc de télé-réalité. C'est-à-dire qu'on va faire le collier d'immunité. Donc, c'est-à-dire celui qu'on va garder aujourd'hui et que du coup... il nous a bien satisfait, et celui qu'on va dire au revoir, qu'on va faire partir un petit peu. Alors, je sais pas comment ils disent dans Koh-Lanta ou dans d'autres émissions. Enfin bon, bref. en tout cas, aujourd'hui, qui sait qu'on ferait partir et qui sait qu'on lui donnerait le collier à l'immunité. On peut en faire partir plusieurs ou... Juste un. Ah, on va faire un cas à chaque fois. Allez, comme ça. Ok. Non, mais moi, je n'ai pas envie d'être trop dur avec lui parce que je trouve que. Il fait des efforts et qu'en fait, je dirais qu'il est bon collectivement. En fait, il commence à trouver sa place vraiment un tout petit peu. Hein, c'est pas, mais il rate à peu près tout ce qu'il tente. Donc, du coup, je parle de Thauvin. Donc, ça m'embête de le mettre, mais voilà quoi. Si je devais en choisir un, je choisirais Thauvin parce que sur les quatre derniers matchs, il rate quasiment tout ce qu'il tente. Il court beaucoup, certes, mais dans le vide souvent. Je trouve que c'est compliqué et qu'il a du mal à trouver sa place. Après, on l'a baladé aussi un peu partout, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas un poste où il a l'habitude de jouer. Donc, Alors, c'est qui? Parce que là, tu tournes autour du pot. C'est qui c'est que tu gardes et qui c'est que tu vires? Sur le match de Reims. Oui, non, on parle pas de la saison, ça, on le fera plus tard. Sur le match. Les tacles appuyés, mais là, pour ce match. Sur ce match, c'est Thauvin. Voilà, je l'ai trouvé à la limite, quoi. Alors, je l'élimine pas, mais je le mets sur la corde raide, là, tu vois. Il faut qu'il se réveille, quoi. Et le collier d'immunité, c'est qui, là? Y a pas... Alors, ça m'embête, c'est la formule, hein. Je mettrai à personne, moi, de collier d'immunité, mais le meilleur, celui qui j'ai envie de récompenser pour le prochain match, là, forcément, c'est Payet, quoi. Ah, on a collier d'immunité pour Nagatomo, non. Ah, c'est vrai qu'il jouait. Il y avait Nagatomo, c'est vrai. Oui, mais le problème de Nagatomo, c'est que t'as personne à la place. Donc, on va faire les trois et après on débat. Olivier. Immunité. Si on reste sur le match, effectivement, Payet, il a fait un match énorme. Il n'y a rien à dire. Du moment où ils sont réveillés, je veux dire, pas les 40 premières minutes juste après. Je mettrai Rongier, tu vois, Rongier, parce qu'il revient de blessure, il a fait un énorme match derrière, donc je mettrai immunité sur Rongier, mais par contre, éliminer Thauvin, ouais, sans hésitation, parce que Thauvin, il a deux phases de jeu, la première, je vais conserver, j'attends que Lirola passe dans mon dos, pour m'ouvrir l'espace et frapper, ou faire mon crochet, faire mon enroulé. Ça fait 4 saisons qu'il fait ça, bon là, une saison, parce qu'il y a Lirola qui est arrivé cette saison, c'est bon, toutes les défenses de Ligue 1 te connaissent maintenant, hein, donc... Pas pour le défendre, juste deux petites secondes. En fait, sur ce match-là, quand même, il fait l'avant-dernière passe deux fois. Et en fait, il est quand même pas mal pour aider Lirola dans le couloir, parce qu'il libère vachement l'espace. Donc, c'est pas incroyable, hein, mais au moins, il fait ça. Et je trouve qu'il essaie de participer aussi un peu à la récupération et un petit peu dans, pas assez, hein, mais un petit peu dans la construction. Voilà. Après, tout ce qui se prend dans la gueule, peut-être qu'il est temps de se remettre un peu en question aussi. Mais oui, je pense qu'il essaye. Hein. Il a du mal, mais ouais, allez. Allez, on va faire un débat sur tous les joueurs, donc de plus et moins. Alors pour moi, le collier d'immunité, alors, effectivement, on pourra mettre 4. Hein. Vous n'avez pas tous cité, mais pour moi, il y a eu 4 joueurs qui ont été, mais je vais en prendre qu'un. Hein. Il y en a eu 4 qui sont félicités sur ce match. C'est Milik, c'est Lirola, c'est Payet et c'est Rongier. Mais moi, je garde l'ami Lirola, parce que Lirola, il me fait rêver. Et comme je l'ai dit plusieurs fois et en commentaire, il me fait penser à Azpilicueta, hein, un ancien Marseillais pour les plus jeunes, qui a joué à Chelsea. C'est pas tout à fait le même type de joueur, mais un petit peu pareil, il a quelques ressemblances quand même. Mais surtout, c'est que ce Lirola, enfin, ça fait plaisir parce qu'il arrive déjà à prendre les espaces, à prendre son couloir, à faire des débordements, à faire des différences.
Et ensuite, il y en a d'autres qui ont pu faire ça. Mais après, c'est qu'il arrive à trouver la solution au centre. C'est-à-dire que le gars, il lève la tête, mais c'est qu'après, il va vraiment faire la passe qu'il faut au bon moment, soit à terre, soit il attend un peu, il passe en retrait. Enfin, c'est jamais fait au hasard, quoi. Ce joueur-là, il faut le garder, mais c'est pas possible, quoi. Mais là, je le garde là, mais oui. Je le garde tout le temps, quoi. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à le garder pour l'an prochain, c'est une catastrophe, parce qu'on a vraiment trouvé un joueur en piston sur ce côté. Et comme beaucoup le disent, c'est qu'en fait, là, il a la place de Thauvin, en fait. C'est lui qu'il faut, ce côté milieu droit, on va dire. C'est lui qu'il faut là. C'est pour ça qu'il met Thauvin ailleurs, quoi. Parce que, voilà, il est totalement là-dedans. Offensivement, il apporte énormément. D'ailleurs, Thauvin, il joue avec lui parce que il sait qu'il va faire les décalages et il va lui faire la passe. Donc voilà. Donc moi, il n'y a pas photo, je le garde lui. Et alors là, je vais vous étonner. Parce que je ne l'ai jamais fracassé, ce joueur. Je vais sortir Nagatomo. Pourtant, moi, j'ai toujours... j'ai toujours... Non, Nagatomo, moi, je ne peux pas depuis le début, de toute façon. Donc, il est un peu meilleur mais que sur ce match. Mais malgré mais tout, c'est bizarre. Ah non, mais c'est pas bon. C'est que, offensivement, le gars, il va réussir à monter, à prendre le couloir. Et clac, il arrive là. Alors certes, c'est son faux pied, mais en fait, il arrête et il revient en arrière. Donc, il revient en arrière. Ça te casse l'action, c'est pas possible. Mmh. Et ouais. Puis derrière, si le gars, il va à deux à l'heure, il peut le rattraper, mais s'il est un peu rapide, adios, quoi. Donc, non, Nagatomo, je lui donne direct le billet, quoi, pour repartir d'où il vient, quoi. Et deux voix contre une voix, ce sera Thauvin. J'arriverai à le défendre, Nagatomo, tu vois. On m'arrête à l'émission. Hein. Alors, ça y est, je suis en fin de l'émission. Voilà, c'est lui. Moi, je comprends, parce qu'en fait, comme il a un peu la barbe à Mitroglou, c'est pour ça qu'il est bien défendre ceux qu'on tape dessus. Mitroglou était un monstre avant de venir à l'OM. Ouais, je n'ai pas encore vu, moi, mais bon. Bref. Si, il n'était pas mauvais. Je te garantis qu'il était bon. Dans son pays, mais il était bon. Dans son pays. Hein. Bon, voilà, donc ça nous a fait beaucoup rigoler. Donc, on continuera à chaque match, on fera ça. De manière générale, c'est vrai qu'on peut voir quand même que les trois, Lirola, Milik et Payet, bon, c'est eux qui font la différence, quoi, parce que bon, Thauvin ne fait pas la différence. Mais eux, ils font Payet quand il est en forme comme ça, et puis ça fait quelques matchs qu'il est bien. Bah, c'est du régal, quoi, parce que Payet, là, ça a été la masterclass sur ce match. Hein. Vraiment, il a tout fait. Quoi. Alors, on a vu le bon retour de Rongier. Et j'attends avec impatience le retour d'Amavi donc contre Strasbourg normalement il devrait revenir contre Strasbourg hein. Je sais pas, il vient juste retourner à l'entraînement, mais après est-ce qu'il sera opérationnel, ça je sais pas. C'est-à-dire que Nagatomo est tellement fort que je sais pas s'il va pouvoir. Mais Amavi, c'est vrai qu'on s'est recrue, hein. C'est important, on connaît, ils viennent de Nice. C'est comme le retour de Rongier, c'est pareil hein. C'est des mecs qui viennent se rajouter à l'effectif hein. Pratiquement des recrues, parce qu'à ma vie, tu l'as pas vu de la saison jusque-là. Hein. Ah, il a pas joué beaucoup, hein. C'est un truc de fou. Ouais, hein. Depuis décembre, pour 6 mois d'absence pour une blessure qui est, bon, enfin bref, un peu bizarre. Je sais plus ce que c'est comme blessure, et normalement, c'était annoncé 4 semaines d'arrêt. Ouais, ça fera 6 mois. Mm. Bon, on va voir. Voilà. C'est pour ça qu'il a repris l'entraînement collectif. Je pense que normalement, une semaine d'entraînement collectif, il peut débuter. Là, c'est pas comme si on jouait avec des champions. Hein. Ça devrait être possible. Alors, j'espère qu'il laissera sa prothèse sur le banc quand même. Parce que pour vouer à la table, beaucoup d'humour. Et c'est vrai qu'on est vache. Et puis, bon, voilà, on est là pour rigoler. Mais en fait, nous, ce qu'on aime, c'est notre club. Hein. Donc, les joueurs passent, comme dirait l'autre, mais l'institution reste. Et voilà, l'OM, donc les joueurs, ben, il faut qu'ils se mettent au niveau de l'OM et de ses exigences. Donc, voilà, on est les premiers à solliciter Rongier quand il rentre et qu'il est très bon. Hein. Après, Rongier, c'est différent. Rongier, moi, je, à part, là, il parlait peut-être de Nagatomo. Mais Rongier... on peut pas dire qu'il a fait, enfin si, il a fait un ou deux mauvais matchs, il en avait fait un, je me rappelle plus, là où il avait été vraiment catastrophique, mais bon, il fait très souvent des matchs, on va dire, moyens ou moyens plus, il fait rarement de matchs très mauvais, donc voilà, pour l'instant, son bilan à l'OM, il est assez bon, il est pas exceptionnel, je pense qu'il peut faire mieux, mais bon, c'est quand même un bon joueur, et quand vous avez un Rongier au milieu, bon, c'est intéressant, pour moi, ça suffit pas pour jouer en Ligue des Champions, mais pour la Ligue 1, c'est largement au-dessus, quoi, il faut... Oui, après,
Ce qu'on peut dire par contre par rapport à Amavi et Nagatomo, c'est que ça fait quand même 3 ans, je crois même 4 ans, qu'on n'a que le seul Amavi, qu'on sait très instable au niveau de ses performances, très irrégulier, mais on a recruté personne parce que c'est des gars. Enfin, c'est qui Nagatomo quoi, en fin de carrière, ou alors Evra, 35 ans aussi, on a vu ce que ça a donné. Quoi. Donc voilà, on a fait 4 ans comme ça. Je sais pas, moi je pense que c'est quand même. C'est pas réellement de la concurrence d'aller chercher des vieux trentenaires qui ont fait déjà leur carrière. Non, non. C'est pas de la concurrence. Moi, je suis plus confiant avec Longoria. Je pense qu'il va réussir. Enfin, si évidemment il trouve le joueur, mais et l'accord. Mais je pense qu'il va, en tout cas, il va essayer d'avoir de la concurrence un peu partout et de combler tous les postes. Voilà. Parce que c'est aberrant de ne pas avoir deux latéraux gauche. Enfin, valable. Oui. Voilà. Mais là, cette année, c'était lui. Hein, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre que Nagatomo, mais il avait vraiment pas de moyens. Et je pense que les consignes, c'était, ça sera qu'un prêt. Et au niveau salaire, il faudra un joueur qui soit à moins de 150 000 euros par mois ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il n'avait pas beaucoup de choix. Et donc c'est pour ça qu'on a pris Nagatomo. Si cette année, on donne plus de moyens à Longoria, je suis persuadé qu'on va pouvoir trouver un. Ouais, parce qu'il a des buzos. En plus, il a mis en place toute sa cellule de recrutement maintenant. Donc je pense qu'il va. En plus, comme il va faire avec Georges Sampaoli. Et puis, il y a des joueurs aussi qu'on aurait pu avoir. Hein, donc, que peut-être il va les rappeler. Donc, voilà. Alors, maintenant, il y a la course à l'Europe. Parce qu'il ne reste plus que 4 matchs. Et moi, j'espérais un faux pas d'un de nos adversaires ce week-end. Et puis, même là, ils ont été réduits à 10. Eh ben, ils ont quand même réussi à gagner. Et Rennes, qui était mené 1-0, je crois, et ils ont réussi à gagner 5-1. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas trop attendre trop de. Alors j'ai vu des matchs. Honnêtement, Nîmes, c'est très, très faible. Voilà, c'est la Ligue 2 qui les attend. Et Dijon, ils sont déjà en Ligue 2. Donc, moi, je m'y attendais. J'étais pas surpris. Et même à 11 contre 10, je savais qu'ils allaient perdre. Quoi. Bon, c'était vraiment très faible en face. Donc, voilà. D'accord. En fait, on voit que Rennes, quand même, ça joue un peu mieux. On voit qu'au milieu, ils retrouvent avec Kamavinga, avec Ferry. Non, c'est qui? C'est Ferry? Non, je sais plus. Non, Ferry, c'est Montpellier. C'est Kamavinga et Bourigeaud, tu veux dire? Je sais pas. Bourigeaud. Et Lens, ils ont un jeu offensif. Donc, bon, après, le seul avantage par rapport à moi, c'est plus Rennes qui me fait peur parce que Lens, même s'ils sont meilleurs, ils vont jouer Lille. Ils vont jouer Monaco et Paris, je crois. Ils jouent les 3 premiers, voilà. Et voilà, donc forcément, ils vont forcément laisser un petit peu de... Et Bordeaux. Et à Bordeaux. Ils jouent les 3 premiers Bordeaux, et ils vont jouer à Bordeaux. Bordeaux, ils sont déjà en Ligue 2. Enfin, ils sont pas en Ligue 2, mais bon, ils sont... Non. Mais je pense que... Là, ils jouent leur survie, donc à un moment donné, s'ils veulent se sauver, c'est maintenant. D'ailleurs, donc Lens les joue, mais Rennes, je crois, va aussi jouer. Je suis pas sûr là, j'ai un doute. Si Rennes va jouer à Bordeaux, mais je sais que Rennes a un calendrier, il joue deux gros aussi, qui jouent le titre. C'est un calendrier très compliqué pour Rennes aussi. Ouais, je sais pas. Rennes, Rennes, je connais pas le calendrier de Rennes. Rennes, alors le prochain match Bordeaux, ensuite ils vont à Paris, ouais. Ensuite ils vont à Monaco. Ah d'accord. Ah non, c'est. Et après ils finissent par Nîmes. Et ils jouent à Nîmes, voilà. Mais Nîmes sera certainement déjà en Ligue 2. Mais de toute façon, clairement, si on gagne 3 matchs sur 4, on sera 5e. Hein. Je pense qu'il faut pas. Voilà. Ouais. Mais c'est à nous de faire la différence. Voilà, si on arrive à. Enfin, normalement, on doit pouvoir gagner au moins 3 matchs sur 4. Hein. Je pense qu'on peut le faire. Voilà. Si on fait ça, qu'on a qu'un point de retard sur Lens et un point d'avance sur Rennes, a priori, on y sera. Quoi. Donc, je pense que ça dépend quasiment que de nous maintenant. Avec le seul match. Pardon, Lens, Olivier. Ça va être compliqué pour Lens parce que les 4 premiers, ils vont tout jouer à fond pour aller chercher les places, etc. Donc, tu as encore Paris et Lille qui sont en concurrence pour le titre. Je crois qu'il y a Monaco aussi qui est pas loin derrière. Lyon, ils sont trop loin, mais les 3, ils vont jouer à fond. Donc, ça va être compliqué pour Lens. Hein. Lyon, ils sont pas trop loin en fait. Parce qu'ils jouent Monaco. Lyon, disons que Lyon, c'est fini pour le titre. Voilà. C'est que là, ils ont perdu face à Lille. Donc, ils ont 7 points par rapport à Lille. Ça va être compliqué pour la Ligue des Champions. C'est bon. Enfin, j'étais heureux. Hein. J'étais vraiment content que Lille ait arraché la victoire. Mais j'avais des potes qui étaient là. Bon, c'est bon. Ils vont finir 4e. J'espère aussi. Je pense qu'ils vont finir 4e. Mais c'est loin d'être fini. Parce que s'ils gagnent à Monaco, tout dépend de ce match.
Tout dépend du match de week-end où il y a Monaco-Lyon. Voilà. Si Lyon revient sur Monaco, bon, mais là, il reviendrait un point. Donc, forcément, tout est relancé. Mais si Monaco ne perd pas contre Lyon, ils ont 4 points d'avance. Donc, c'est fini. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Lyon ne sera pas champion. Ça, c'est une certitude. Ah, c'est ce qui est parfait, de toute façon. Donc, ça, c'est quand même la bonne affaire du week-end. Moi, j'y croyais pas, hein, Lyon champion. Moi, je pensais que Lyon allait gagner contre Lille. Mais bon, voilà. Donc, Lille a l'air très, très fort cette année. Bon, bref, on parle pas des autres. Ça va nous donner des regrets. Nous, on joue la cinquième place. Et oui, voilà. Voilà. Mais il faudra pas faire de faux pas non plus. C'est ça, Super le truc. Galtier. Parce que. Ouais, parce qu'il y a un Strasbourg, c'est pas évident. Il y a des bons joueurs devant, à York, notamment. Honnêtement? Ouais, c'est. Alors, je les ai vus jouer il n'y a pas très longtemps. Alors, c'était pas contre nous, c'est ça aussi. J'ai pas regardé tout le match là, la dernière fois, je crois que c'était contre Nantes. Je les trouve très moyens. Voilà. C'est meilleur que Nîmes, c'est meilleur que Nantes. Ouais, encore Nantes, ils ont perdu. Ils ont perdu contre eux. Non, je trouve que c'est une équipe vraiment faible en ce moment. Ça tourne pas bien. Pour moi, on doit gagner et on doit gagner largement contre Strasbourg comme contre Angers, où je pense qu'il faut. On doit, sur notre niveau, si par exemple Amavi revient avec Rongier, pour moi, ça passe en étant sérieux, tranquille. Mmh. En étant sérieux, voilà. Mais comme il disait, alors j'arrive plus à trouver le message parce qu'il doit être assez haut. Quelqu'un qui disait Nîmes n'est pas bon, mais on a réussi à perdre chez nous. C'était le mois de janvier. Avec André Villas-Boas. Mais bon, on voit que cette équipe, elle est un petit peu, pas fragile, mais elle se laisse un petit peu aller. Alors, c'est vrai que Sampaoli, il les remotive pour... Là t'as un guerrier derrière là, qui va pas les lâcher. Hein. Je te garantis que jusqu'à la mi-mai, jusqu'au 20 mai, 21, je crois que c'est le dernier match, c'est ça. Sampaoli, il va pas les lâcher. Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'il se démobilise. Surtout à 4 journées de la fin. Là, ça serait incroyable. Enfin, je j'y crois pas. Là, ils vont vouloir avoir des prolongations de contrat pour l'année prochaine. Ils vont pas lâcher là. Même Thauvin, il lâchera pas. Ah, bon, enfin, il joue parce que là, c'est quand même un petit peu catastrophique ce qu'il fait quand même depuis plusieurs matchs. Ça fait un peu pitié. On va prendre des questions pour terminer. Allez-y, posez vos questions sur le chat. On aura des remarques. On peut peut-être aussi rebondir effectivement sur des remarques. Ça peut, on peut aussi, si pas de questions, n'est pas forcément un truc. S'il vous plaît, les débuts. Alors, du coup, on arrive à la fin. on a parlé du match, du débrief et de la Coupe d'Europe maintenant, parce qu'on fait des diables un peu plus courts. Je rebosse, moi. Il y en a qui mossent, attention. Bon, après, je suis pas à temps plein, donc j'ai du temps quand même. Mais malgré tout, on va faire moins long que d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que je peux vous sortir? Là, je vois pas de questions, des remarques. Je vois qu'il y en a. Avec la vente, il y aura plus de moyens. Eh oui, mais il faudrait qu'elle arrive, cette vente. Mais pour l'instant, on la voit pas venir, les gars. Et les insiders, c'est ils ont quoi? La date, c'est mi-mai. Alors, on va attendre la mi-mai. L'insider, il se contredit, ouais. Mais ah, alors tiens, j'ai une info mercato, si vous voulez. Ah. Une info. Hier, j'ai regardé Cragnon. J'ai regardé Vélez Sarsfield qui jouait contre Lanús. Pas terrible comme match, mais les commentateurs espagnols avant l'entrée de d'Almada, parce qu'il était sur le banc, on dit c'est pas impossible qu'il soit sur le banc parce qu'il est en instance de départ et il aimerait rejoindre. Alors, il a pas dit il aimerait rejoindre, il a dit il est possible. Il a dit, il va rejoindre. Je ne sais pas sûr qu'il ait dit, il va rejoindre ou il va peut-être rejoindre Sampaoli à Marseille. Et il a reparlé de ça après pour dire que ce serait la clause était à 22, mais que peut-être que le transfert se négocierait plus à 15 millions d'euros. Voilà, c'était les commentateurs qui en parlaient et ils avaient l'air d'être. Après, c'est l'info qui est sortie effectivement sur Foot Mercato, sur Spain aussi. Où effectivement, Sampaoli apparemment aimerait ce joueur et ils auraient pris contact avec son entourage et ils essaieraient de le faire venir. Après, effectivement, est-ce qu'on aura les moyens de l'acheter? Après, il y aura des ventes aussi, donc il va voir. Très bien, mais 22 millions, ça me paraît un peu trop cher pour le moment, mais je t'avoue que Almada, je suis très sceptique sur le joueur. Hein. Alors moi, je n'ai pas encore vu, je ne connais pas assez. Ça me fait penser à Enrique. Ah non, mais ce n'est pas du tout pareil. Alors, Enrique, pour te dire, il a quoi? Il avait 10 matchs en championnat brésilien, même pas, je crois. Quelque chose comme ça. Almada, il a déjà plus de 70 matchs, 75 matchs. Honnêtement, je l'ai vu jouer quelques fois. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Enrique. Enrique, il a des qualités, hein. Almada, c'est pareil que Enrique, je veux dire que c'est jeune, tu vas mettre de l'argent dessus et autant derrière, ça vaut rien. En fait, tu vois ce que je veux te dire, autant il va débarquer en Europe, le mec il va être totalement cramé. Alors cramé,
Non, je pense qu'il faudra le temps. Pas cramé dans le sens où il ne va pas réussir à jouer, mais dans le sens où eh ben, il ne va pas réussir à s'adapter au football français. C'est ça que je veux dire. Alors, la première chose, c'est que... On n'est pas encore là, mais voilà, Sampaoli, il le connaît pas mal. Il aura un entraîneur argentin. Il y a pas mal d'Espagnols et Argentins dans l'équipe. Et aussi, alors certes, ça, il ne va pas pouvoir être titulaire directement. Moi, ça, je ne pense pas. Mais c'est un joueur que tu peux prendre maintenant. Il vaut mieux le prendre maintenant, parce que si tu attends... Ah oui, autant après l'arrière, il devient bien sûr. Alors, mais tu vois, pour moi, il est plus fort que Campos, par exemple, à l'époque, quand il arrive en Europe. Ouais. On va prendre quelques commentaires et on va répondre sur ça. Alors, effectivement, demain, il y a une conférence de presse à 11h30, je crois, de Pablo Longoria. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette conférence de presse? Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose, mais c'est un petit peu la politique de Longoria, c'est-à-dire que lui, il veut plus de transparence, bon, ça n'ira pas de mal, évidemment, qu'avec Héro, par le passé. En fait, il veut dire ce qu'il fait, voilà. Donc, je pense qu'il va faire ça. De toute façon, a priori, c'est un peu fuité avec Europe 1 et RMC Sport. C'est qu'il va présenter sa méthode, il va présenter ses... Enfin, sa cellule de recrutement, puisqu'il l'a terminé, il a pris je sais plus le nom, mais un autre pour la cellule de recrutement, il a pris deux personnes pour le centre de formation. Donc, il va expliquer un petit peu sa méthode, ce qu'il veut faire. Alors, peut-être pas tout dans le détail, parce que le mercato est encore loin, donc je suis pas sûr qu'il va dire un petit peu quel budget il aura, mais je pense qu'il va expliquer ça. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Vous le voyez autrement ou pas? Non, j'attends pas grand chose de cette conf. Je sais pas si, oui, je pense qu'il va peut-être présenter la cellule de recrutement. Je suis même pas sûr, tu vois. Je pense qu'il va surtout revenir sur le. Enfin, c'était marqué dans la Provence qu'il allait parler de sa déclaration là sur les entraîneurs. Il va être assez voilà. Peut-être revenir un peu sur le projet pour l'année prochaine, mais enfin, en tout cas, il y aura des questions là-dessus. Sinon, non, peut-être. Alors, il y en a qui ont parlé d'une prolongation de Florian Thauvin. Voilà, mais je veux dire, si Florian Thauvin, c'est pas sur le joueur, mais si Florian Thauvin allait prolonger, ça serait, il y aurait conférence de presse avec Florian Thauvin. Voilà, du coup. Oui. Non, mais bien sûr, mais j'ai vu passer ça, donc je pense pas non plus. Hein. Et pareil pour d'autres choses, hein, s'il y avait le rachat du club, ça serait pas Pablo Longoria qui viendrait en parler. Pas... Hein, ça serait Franck McCourt avec Al-Walid Bentala, si c'est lui qui le reprend. Hein, ça serait pas Pablo Longoria. Arrêtez avec tout ça, ne passez pas une mauvaise nuit ou une bonne nuit en espérant ça. On va y passer une bonne nuit quand même. Hein, mais... Non, mais je veux dire, il faut pas se le raconter. Il faut, voilà, c'est un truc classique, mais on n'a pas l'habitude. C'est effectivement des conférences de presse de président, mais lui, il avait dit qu'il voudrait parler très souvent. Donc c'est positif. Non, c'est vrai que le timing, il est quand même assez étrange. C'est-à-dire que c'est en milieu de semaine, alors qu'il y a la Ligue des Champions en plus. Donc on sait que les médias, ils sont un peu focus dessus. Et en plus, on a pas de match. Enfin, si, on en a un sous week-end. Mais trois journées de la fin. Ouais, non, mais je crois que c'est toujours deux jours avant, en fait. Deux jours avant un match, ta conférence de presse. Oui, mais là. De l'entraîneur. Donc après, tu peux changer, parce que c'est obligatoire, ça. Donc tu peux changer. Oui, mais justement. Il y aura peut-être aussi sympa. Justement, c'est vrai. Après, tu vois, le truc où je suis sceptique, c'est tout le monde a annoncé conférence exceptionnelle de Longoria au Vélodrome, etc. Bon, on nous sort des questions de pour la crise sanitaire, c'est mieux parce que c'est plus grand, etc., pour accueillir du monde. Donc déjà, pourquoi tu n'as que des gros médias qui le sortent? Je crois que tu as eu Europe 1, RMC, Eurosport, l'équipe, tu as plein de gros trucs qui ont dit conférence exceptionnelle. Je te dis une bêtise, quand Leonardo à Paris va faire une conférence de presse, il n'y a pas tout le monde qui dit va faire une conférence de presse. C'est parce que c'est la première. C'est la première de Longoria, c'est ça. Non mais là, vraiment... La deuxième, quand il est arrivé, mais même pas. Pour rebondir sur ce que vous dites, vu qu'il y a une conférence de presse avant le match là, qui va arriver, genre jeudi ou vendredi, je ne sais plus quand est-ce qu'on joue, là, si c'est samedi... Vendredi encore. Donc, la conférence, elle est demain. Hein, donc la conférence avec l'entraîneur, elle est demain. C'est toujours deux jours avant. Hein. C'est toujours deux jours avant. Donc, non. Pourquoi ils ne le font pas en même temps? C'est ça que je n'ai pas compris. Pourquoi c'était un truc juste... C'est peut-être un agenda. Moi, je ne connais pas sur l'agenda de... Non, mais bon. Tu vois ce que je veux dire. Si tu as une organisation pour faire les confs de presse, pourquoi tu fais pas la conf du match avec le coach, le président? Donc, bah, il peut venir après, il peut venir avant. Peut-être qu'il fait autre chose, peut-être qu'il est sur le mercato, j'en sais rien, moi. On verra. Moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est que tout le monde dit exceptionnel. Alors, comme dit Aldatav, Longoria, oui, il avait dit qu'il allait faire des conférences plus souvent au Vélodrome.
En soi, il n'y a rien d'exceptionnel, il va juste faire une conférence. C'est ça qui me perturbe, en fait. Pourquoi exceptionnel? Alors que tu pourrais dire Longoria va faire sa première conférence au Vélodrome. Ouais, mais après, c'est les journalistes, ils en rajoutent toujours. Ouais, ils enjolivent la chose peut-être, ouais. Ouais. Et voilà, ils enjolivent, et puis comme c'est la première, c'est exceptionnel. Quand ça sera la dixième, forcément, ça sera moins exceptionnel. Donc, voilà. Quand un nouveau président arrive dans un autre club, tu ne dis pas il va faire une conférence exceptionnelle. Il va faire sa conférence. Voilà, c'est ça qui me perturbe. Alors, en fait. Après, je pense qu'effectivement, le timing n'est peut-être pas bon, mais quoique, parce qu'effectivement, comme tu disais Fabien, ce qui veut aussi réagir, d'après ce que disait la province, je crois, qu'effectivement, il veut aussi réagir un petit peu à la polémique qu'il a engendrée. Oui, c'est beaucoup sorti ça. Tout le monde s'est tombé dessus, donc je pense qu'il a envie aussi un petit peu de réagir, et soit d'enfoncer le clou, ou soit de dire autre chose, je ne sais pas. Non, je crois qu'il va calmer le jeu s'il en parle, mais... On verra. Alors, Mamad, écoute, après, chacun a le droit de passer ce qu'il veut. Je sais pas, sois plus précis dans ce que tu veux dire. Enfin, en tout cas, voilà. Ouais, et il y a ça aussi, tu vois, comme dit Rouxom76, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est au courant de ce qu'il va parler. Ah, si, lundi, si, justement, européen. Justement, la France a annoncé. Européen, l'a sorti. Ils l'ont sorti quand? Ils ont juste dit qu'il n'y avait rien de spectaculaire qui allait être annoncé. Mais voilà, ouais, c'est ça. Ouais, après, tu dis qu'il va peut-être répondre à si, peut-être. C'est que des suppositions. Alors, après, c'est la province qui l'a dit. La province a dit ça. La province a dit qu'il ne parlerait pas d'organigramme. C'est pour ça que je me suis dit qu'il ne présenterait pas, par exemple, le directeur de com, etc. Ah ouais, donc ouais. Ça, on n'en parlera pas. Ouais. Mmh. Après, avant, effectivement, mais comme dit, ça arrive, Hollandais toujours, de Marseille, effectivement, il veut garder le lieu et le peuple marseillais parce qu'il a été complètement. Cassé avec son prédécesseur, donc il veut vraiment être le plus transparent possible, parce que le plus transparent, il va être totalement transparent bien sûr, mais voilà, de dire ce qu'il fait concrètement, de parler aux supporters, parce que les supporters ont besoin de aussi qu'on leur parle, qu'on leur dise les choses, qu'on leur explique les choses. Alors bon, après il est très bon en langue de bois, donc peut-être il peut faire aussi la langue de bois demain, quoi. Mais après, oui. Ouais, si c'est dans cette initiative, ouais, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est bien. De recoller les morceaux avec la direction et les supporters, c'est très bien. Ouais. Moi, je pense qu'il parlera un peu du projet sportif de l'année prochaine. Mais pas sans parler de détails, hein, mais voilà, quelques mots. Quoi. Ouais, effectivement, de dire s'ils ont envie de prolonger Camara et Touré, bon, ils l'ont déjà dit. Hein, ils l'ont déjà dit, ça, ouais. Mais après, il faut des actes. Allez, on va finir peut-être par un ou deux sujets, questions ou interrogations. Il va y avoir un match, le match contre Nice. Ah, je ne sais pas, moi je ne suis pas à Nice, donc je ne peux pas vous confirmer. Peut-être, est-ce que tu l'as vu, Olive? Pas loin, Nice, c'est pas à côté de Marseille. C'est pas loin, mais écoute, je ne vois rien à propos de ça. Donc, Nice. Mais s'il a le droit d'être à Nice, il peut se faire dorer la pilule au soleil, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être aller demander de l'argent à Ineos. Voilà, il y a Campos qui habite pas loin. Une question plus haut de Lou Lincras. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas où il a mis sa question. Lou Lincras. C'est ça, a priori. Je ne l'ai pas lu encore, donc on va la découvrir. Beaucoup parlent d'une offensive. Ah, voilà, je voulais parler de la diffusion du match sur C8. Ah, ben ça tombe bien. Voilà. Qui va commenter. J'espère que ce ne sera pas Hanouna. Mon Dieu. Non mais sur C8, qui va commenter sur C8, quoi? Ah, des beautés. Faut attaquer les beautés. Je crois qu'ils l'ont déjà fait quand il y avait des matchs d'Europa League, ils avaient commenté. Alors je sais plus si c'est Denis Balbir ou. Denis Balbir. Ouais. Ouais, non mais C8 c'est Canal. Hein. Donc je sais pas. Ah c'est oui, c'est le groupe Canal de toute façon. Ouais. Donc ils peuvent envoyer des matchs de Canal. C'est le groupe Canal en clair. Donc, alors, du coup, on parle d'une officialisation lors de match contre Angers. Alors, Angers, c'est quoi? C'est le dernier match ou le dernier match? C'est le dernier match à domicile. Dernier match à domicile le 16 mai. Voilà, effectivement, c'est le 16 mai, dernier match à Angers. Et après, il y a le dernier match le 24 mai. Alors, je ne sais plus, on ne sait pas trop la date. Ce sera le dimanche, le samedi, parce qu'il y aura des multiplex. Ou ça sera le match à l'extérieur à Metz. Alors. Ça sera le dimanche à 21h. Alors, en tout cas, le timing, il serait bon. Mais après, est-ce que ce sera à ce moment-là? Je ne sais pas.
Non, mais voilà, après, je pense qu'il y a toujours, on va faire juste deux mots sur ça, parce que ça revient assez récurrent, et moi je vois des choses sur les réseaux sociaux, des fois ça me fait un peu peur. Je pense qu'il y a deux théories, voilà, je pense qu'on va aller jusqu'à fin mai avec deux théories. La théorie de Thibaut Vézirien, qui lui dit mordicus qu'effectivement ça va se faire entre le 15 et le 25 mai, donc effectivement entre soit le match d'Angers, soit le dernier match de championnat. Puis il dit ça et il rassure sur les réseaux sociaux en disant toute la même chose. Donc voilà, il y a cette théorie. Donc on verra si elle va jusqu'au bout. Et après, s'il n'y a pas cette théorie, je dirais il y a la théorie des autres insiders, mais en fait ils font que dire ce que dit Vézirien. Donc il y a cette théorie ou il y a l'autre théorie beaucoup moins glorieuse où il n'y a rien du tout, quoi. Donc on verra bien. Ouais, il y en a plein d'autres, hein, des théories, mais moi, enfin, les théories, il y a presque que ça, en fait. Si, Non, mais évidemment, mais je veux dire, des théories, on va dire, sérieuses, quoi. C'est-à-dire que, voilà, soit Vézirien, il a raison depuis le début, et du coup, ça va se faire entre le 15 et le 25 mai. Ou soit, il n'y avait rien du tout. Et, parce qu'après le 31 mai, il faut être clair, hein. Si le 31 mai, il n'y a pas d'officialisation de l'avance, elle pourra se faire en 2022, bien sûr, ou 2025. Ouais. Et en tout cas, ça voudra dire que c'était pas pour maintenant, quoi. Ouais. Après, il faudra voir la programmation télé de C8 aussi, hein. Parce que si je crois qu'ils n'ont jamais le match, à quelle heure c'était. Ils ont juste annoncé le match, mais sur internet, tu trouves pas la programmation de la chaîne. T'as pas ce qu'il va y avoir après. Parce que tu peux avoir le match et quelque chose après. Voilà, c'est ça que je vais te dire. Mais après, de toute façon, je pense que de toute façon, comme les deux derniers matchs, ils sont en multiplex. Donc, tous les matchs seront à la même heure, le même jour. Par contre, effectivement, il y a des matchs qui seront sur Canal Plus Sport, d'autres sur C8. Ils pourront prendre des matchs qui sont importants, hein, pour le titre, hein, pour la Ligue Europa, etc. En tout cas, un petit mot sur le. Je ne sais pas s'il y aura annonce, personne ne le sait de toute façon. Mais par rapport à ça, je trouve qu'il y a de plus en plus d'articles qui sortent dans la presse qui nous parlent d'Arabie Saoudite et qui expliquent un petit peu comment ça se passe au niveau de l'investissement dans le sport. D'ailleurs, il y a eu un article sur SoFoot qui a pas mal fait parler. La troisième partie de cet article est intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous l'ai... j'ai lu les deux premières. Voilà, la troisième est bien. Les deux premières, j'ai trouvé... c'était un peu du... Ouais, allez, je vais rien dire parce que ça va pas être sympa. Mais la troisième était bien, c'est-à-dire que c'était vraiment... c'était du journalisme, en fait. On expliquait comment ça se passait en Arabie Saoudite et quelles étaient les relations avec MBS et Al-Walid Ben Talal, etc. Et pourquoi il aura intérêt à investir dans le sport, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et je trouve que c'est sorti sur plein de médias. Et pas seulement sur SoFoot, il y en a sur la presse économique, etc. Moi, j'ai lu pas mal de ça. J'ai regardé en Angleterre, c'est pas du tout le même son de cloche, par exemple. C'est-à-dire, de quoi tu parles? Et en Angleterre, quand on parle de l'Arabie Saoudite, c'est clairement lié à des affaires, à une communication qui est plutôt entre guillemets négative, alors que et qui s'appuie, c'est toujours la même chose depuis en fait l'année dernière quand Newcastle avait failli être acheté par l'Arabie Saoudite. Et donc, en fait, c'est des articles qui parlent tout le temps des mêmes, c'est les mêmes thèmes, en fait. Même quand c'est des supporters qui parlent de ça, ben, c'est pas une bonne presse. C'est-à-dire qu'il y a des agences de com qui font un travail aussi en Angleterre qui est pas forcément celui d'aller vendre l'Arabie Saoudite à tout prix, quoi. Ouais, après, on va rentrer dans ce débat parce que là, c'est un débat un petit peu sociétal et politique. Non, mais on peut en tout cas le souligner. C'est-à-dire qu'il y a des rumeurs, et peut-être que les médias en jouent. Mais peut-être aussi qu'il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas... pour moi, ça, c'est plus un signe que d'aller voir des documents et des trucs avec Jacques-Henri Hérault encore président, ou je ne sais pas, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est plus parlant pour l'Arabie Saoudite qui va investir dans le sport. Je ne sais pas s'ils vont racheter l'OM, mais qu'ils vont investir dans le sport, ça me paraît. Ils vont acheter Bordeaux, peut-être, qui officiellement est en mode. Hein, parce que d'ailleurs, ils sont en liquidation, enfin, redressement judiciaire, donc eux, pour le coup. Et Saint-Etienne est en mode officiellement. Après, de toute façon, sur ce sujet-là, on arrive au bout, hein. Le mercato, il va commencer, le passage à la DNCG va être fait. Et même s'il n'y a pas de rachat, ou peu importe, le projet de l'année prochaine, il va être annoncé dans pas longtemps. Ouais. Donc, l'optique de l'année prochaine, ça va être dit dans pas longtemps. Donc, il suffit juste d'attendre et de voir ce qu'ils disent. De toute façon, voilà, effectivement, en mai, t'as le passage de Valen de MCG, voilà, qui te demande, quand souvent il y a des pertes, de combler les pertes à telle échéance.
ou de rapporter après de l'argent du futur mercato. Et après, ben, le mercato, il débute le 9 juin, quoi, hein, puisque c'est 5 semaines. Dans 5 semaines, d'ailleurs, ça commence. Donc, donc forcément, la fin de la saison, de toute façon, c'est le projet qui est là. Hein. Enfin, vous savez comment ça se passe, pour Bordeaux et Saint-Etienne, qui sont en vente officiellement, évidemment. Enfin, voilà, on verra combien McCourt va vendre l'OM, et puis on verra combien Saint-Etienne va être vendu et combien Bordeaux va être vendu. Quand on annonce que le club est en vente et quand on annonce qu'il n'est pas en vente, je pense qu'il y en a qui vont être surpris. Hein. D'ailleurs, Bordeaux, si ça continue comme ça, ça va être un euro symbolique. Hein. Alors, toujours, on met toujours des pincettes, hein, Fabien, c'est qu'effectivement, si on est vendu, c'est si. Il y a toujours le si. Hein. Oui, mais j'ai dit si on est vendu. Ouais. Parce qu'on sera vendu, un jour on sera vendu. Hein. Ouais, non, mais d'accord, mais entre 2020, quand on devait être vendu en 2020 et 2022 ou 2023, on devait pas, parce que lui, il dit qu'il veut pas vendre. C'est ça le truc. Ce que je veux dire, c'est juste qu'eux, ils disent qu'ils sont en vente. Nous, notre actionnaire, il a dit qu'on n'était pas en vente. Donc ça, on ne sait pas. Oui, non, mais d'accord. Non, mais si tu vas par là, du coup, il n'est pas en vente, donc du coup, ça ne va pas se faire. Si on suit vraiment ce qu'il dit. C'est juste une question de stratégie commerciale, tu vois. Il faut aller au bout du truc. Soit il dit ça, donc effectivement, on le croit jusqu'au bout, ou soit on ne le croit pas, mais on peut dire justement ce qui était dit avant par... les insiders, notamment qu'en 2020, ça allait se faire, quoi. Parce que là, c'est les insiders. Ah oui, les insiders. En 2020, devait être 28, c'était sûr. Hein. Moi, le seul insider que je croirais, si tu veux, là, à ce moment-là, dans cette histoire, c'est le frère de McCourt, tu vois, c'est des insiders. Et des gens qui sont dans la négoce, quoi. Les autres, ils ont des bruits, ils ont ce que leur ont dit des avocats, ou alors ils inventent. Donc, tu vois. Voilà, il y en a beaucoup qui sont des jeunes, qui se la racontent, qui inventent des choses. C'est mythomane. Mais c'est pas que dans l'OM, hein. c'est valable sur les sujets d'actualité. On pourrait débattre des heures. Hein. Il reste 5 semaines. Hein. De toute façon, et puis après, on aura le temps de parler de mercato et d'autres. Ouais. Sur ça, on va terminer d'ailleurs, puisque ça fait une heure, donc vous voulez faire une heure, c'est parfait. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Olivier, merci Fabien. Merci à vous. Merci à vous. Alors, du coup, juste. Ça va. Une petite annonce pour vendredi, on fait notre troisième émission historique sur l'Olympique de Marseille. Donc on a fait lundi dernier l'émission sur le 1972 avec Magnusson et Skoblar, avec Thierry Audibert. On a fait ensuite vendredi dernier une superbe émission, et allez la revoir si vous l'avez pas vue, sur les Minots de 1981 avec Jean-Charles Debono, l'ancien joueur qui nous a fait le plaisir de venir sur cette antenne. Et là, on va parler de l'équipe de 1991. La plus belle équipe de l'histoire, ou avec celle de 90. Voilà. Alors, peut-être que vous pouvez faire un petit after sur la chaîne Twitch d'Olivier. Ouais, mais on va pas faire longtemps, on va faire une petite demi-heure, hein. Vraiment pas plus. Ouais, hein. Voilà. Vraiment pas plus. Allez, ok. Donc, allez sur Twitch et nous, on se retrouve vendredi pour le nouveau live de Forza. Ah, ça va être bien, du coup, pour 91. Et tu pourras peut-être en prévoir d'autres après, une fois la fin du championnat. Ouais, la fin du championnat, on fera des sujets thématiques à la fois le mardi et le vendredi. On essaiera de faire différent. Si tu peux juste mettre mon pseudo dans le chat, Seb, si possible, ou sur la banderole, comme ça. Je ne sais pas si on peut cliquer là, nous. Est-ce que je peux le permettre comme ça? Attends, je vais dans le chat du live alors. Je crois que là, comme ça, j'ai cliqué, j'ai pas pu. Moi, je peux pas. Je vais le faire, t'inquiète, je vais le mettre directement dans le chat. Et après, on finit par le générique. Hein. Je mettrai le générique. Donc, il va le mettre parce que là. Voilà. Hop. Et après, on finit par le générique. Hein. Ah, un écho, c'est bizarre. Non, c'est parce que j'avais Twitch qui était ouvert, c'est pour ça. Voilà, donc allez sur la chaîne de Olivier si vous faire un petit after pour continuer le débat. Voilà, n'hésitez pas, allez sur cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne aussi, abonnez-vous à la chaîne d'Olivier. Si vous souhaitez, abonnez-vous. vous likez, et voilà. Merci à Duccio pour son dernier message. Non, on n'aura pas d'invité pour... Ah oui, c'est toi qui... Fabien, on n'aura pas d'invité. À part si Franck Sauzet ou Jean-Pierre Papin veut venir, ils sont les bienvenus, mais je les ai contactés il y a un an, peut-être.
vous n'avez pas eu de réponse, donc je pense que c'est moi. Mais on va faire ça entre nous. Voilà, on termine par le générique. Et donc, on vous dit à vendredi et sur Twitch, si vous voulez aller, sur le site de la chaîne de Olive. Bonne soirée, au revoir. À tout à l'heure. Ou tout de suite. À de suite pour ceux qui continuent. Voilà. We'll be right back.